Nous sommes aujourd'hui sur la place de la République devant les chalets tenus par le club de supporters en présence de Yves Guiraud, un nom dont on ne peut pas ignorer sur le plan limousin tant il a marqué l'histoire de ce club. Et Yves Guiraud qui a plusieurs casquettes puisqu'il est là aussi en tant que délégué au sport à la municipalité de Limoux et qui est très investi aussi dans l'amicale des anciens du 13 de Limouxin, et tu vas donc nous expliquer comment un peu tu vois cette préparation de la finale à quelques heures du grand match et les chances que peut avoir le 13 de Limouxin de renouer avec un quatrième titre dans son histoire. Déjà, Limoux, c'est une ville de sport. Il y a 55 associations, 5000 licenciés. Le rugby 13 est en tête, bien sûr. Cette année, il y a beaucoup d'engouement. Il y a déjà 7 bus réservés. L'équipe est au niveau. Bien sûr, la mairie suit à fond Limoux 13. Le jour de la finale, il va y avoir bien sûr des animations sur la place. Nous attendons les joueurs. On va les recevoir sur la place jusqu'à 2h du matin. Et Limoux, je pense, peut gagner cette finale. Nous avons perdu 2 fois cette année contre l'ASC, mais sur une finale, c'est un autre match. La mairie a confiance aux joueurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Toreil, le demi du 13 Limouxin, qui notamment faisait partie de cette équipe de 2017 qui avait remporté le dernier titre de champion de France et qui doit, je suppose, te laisser un excellent souvenir. C'est ça, ça a été l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Une année idyllique avec Limoux. On perd plusieurs fois contre les Indiens dans l'année et on les bat en finale. Donc, comme quoi, tout est possible et on va essayer de reproduire pareil ce dimanche. Oui, surtout qu'on est de nouveau sur une bonne lancée avec un super match en demi-finale contre les Indiens. Donc même le score a été un peu surprenant, mais ça peut s'expliquer aussi sur la qualité de la prestation que vous avez faite. C'est vrai, on avait à cœur de se rattraper par rapport à la demi-finale perdue contre Albi. On ne voulait pas que la saison se finisse sur ça, comme ça, une demi-finale à domicile, avec des joueurs qui arrêtent et qui quittent le club. Donc on a mis tous les ingrédients pour faire un grand match. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, avec l'apport de tout le public et le soutien du peuple limouxin, on a réalisé une très belle performance. Et donc maintenant, ce qui reste, c'est de mettre la cerise sur le gâteau et de refaire un exploit contre cette équipe de la SC qu'on annonce favorite, mais je suppose que vous comptez bien un peu les contrarier, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que Carcassonne cette année fait office un peu de bête noire. Ils ont fini premier, ils ont gagné la coupe, ils nous ont battu 2 fois, mais bon, c'est pas pour cela qu'on va arriver en finale en victime. On va tout faire pour gagner, on sait que le public limouxin va pousser derrière nous. À nous maintenant de faire le meilleur match possible et de tout donner sur le terrain. Voilà, vous saurez donc dimanche soir si les prévisions d'Alain se réalisent. Et on le lui souhaite ardemment, ainsi qu'à tout le club du 13 de Limouxin. Et nous sommes à présent devant le chalet du 13 de Limouxin, tenu par le fameux club des supporters qui a ouvert que hier matin. Et, non, avant-hier matin. Voilà, et au bout de 3 jours, je crois qu'on est en train de battre quelques records. Il y a un véritable engouement cette année, ne serait-ce que pour partir voir cette finale qui est très importante parce qu'on y croit énormément. Il y a 4 bus de prévus pour le club des supporters, 3 bus par la section des jeunes et la billetterie marche très très bien aussi. Au niveau de la boutique, aucun problème, tout le monde demande des maillots rouges et noirs, enfin voilà, et des shorts et de tout. Voilà. Je vous présente le maillot officiel des joueurs pour la finale le 28 mai à Narbonne. Pour prendre vos billets à Limoux, vous aurez 5 euros de moins à payer qu'à Narbonne, puisque si vous les prenez à Narbonne, ça sera 15 euros et 25 euros, alors qu'à Limoux, c'est 10 euros et 20 euros pour l'entrée au stade de Narbonne. Écoutez, tout le club des supporters y croit énormément. On espère cette année ramener à nouveau ce bouclier sur la place et pour faire plaisir à tout le monde, puisque le club des supporters est à fond derrière les joueurs. Et... voilà, et ils ont eu 7 bus en 3 jours, et donc il reste encore 3 jours. On va peut-être faire 14 bus pour Narbonne. À dimanche tous.